Salut les séries addicts, c'est Blandine et on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes envies séries 2020. C'est parti! Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo bilan nouveautés séries 2019, mais pour 2020 j'avais envie de regarder des séries de manière différente par rapport à 2018 et à 2019. Donc oui, cette vidéo arrive fin mars, tout simplement parce que janvier-février j'ai eu beaucoup de boulot au travail et que fin mars égale confinement, vous le savez, voilà, on va pas revenir sur le sujet. Donc c'était le moment parfait pour filmer cette vidéo. Comme je vous le disais du coup dans ma vidéo bilan, j'ai eu un trop-plein de séries durant 2019. Je me suis pas sentie entre guillemets bien dans mon approche de comment regarder des séries. J'en commençais beaucoup, j'en finissais peu. J'avais l'impression de consommer et j'ai pas aimé ça. Moi j'aime prendre mon temps, j'aime avoir le bon mood pour regarder une série, et du coup en 2020 c'était ma bonne résolution, c'est prendre le temps. Du coup c'est pour ça que vous n'avez pas eu les traditionnelles vidéos nouveautés hiver 2020, parce que je ne vais plus faire ces vidéos parce que ça incite, on va dire, à la surconsommation de séries. Dans cette vidéo du coup je vais vous présenter, donc j'ai pris un petit cahier sur lequel j'ai noté des séries que j'ai envie de voir en 2020. Donc je vais vous en parler et on y va de suite. Dans la mesure où on est déjà fin mars, j'ai déjà regardé des séries. J'en ai déjà regardé deux en entier. Donc j'ai regardé la série Rome. Donc c'est le coffret du coup de la série Rome que je m'étais offert durant le Black Friday. C'est une série HBO du coup qui parle de l'époque romaine au niveau de Jules César et compagnie. Je connaissais pas du tout cette série. J'y suis allée parce que HBO et parce que c'était plutôt bien noté. J'ai surkiffé cette série. J'ai vraiment adoré. Le casting était au top. Il y a que deux saisons. Je vais vous faire une présentation de série dessus, c'est sûr, parce que j'ai vraiment adoré. En même temps c'est du HBO, moi je suis un peu fangirl côté HBO. Grosse surprise, honnêtement je ne pensais pas autant aimer cette série. Donc voilà, première série regardée de 2020, pas un coup de cœur, mais une très bonne série que je vous conseille. Si vous aimez un peu les épopées, les choses comme ça, c'est top. Et la deuxième série du coup que j'ai déjà regardée en ce début d'année 2020, c'est Penny Dreadful. Donc Penny Dreadful, c'est une série que ça fait un moment qu'elle est sur ma liste de séries à voir, parce que sorcière, parce que surnaturel et compagnie. Plutôt bien cotée en plus. Je me suis lancée comme ça, à la fin de la série Rome, j'ai vu qu'il y avait l'intégrale sur Netflix, je me suis lancée et aussi j'ai beaucoup adoré. Et je me suis lancée aussi également maintenant parce qu'il y a le spin-off. C'est Elle, Penny Dreadful, un truc comme ça qui sort dans un mois, si je dis pas de bêtises. Le spin-off me tentait, donc j'avais envie de commencer avec la série mère, on va dire. Et j'ai pas été déçue, j'ai vraiment adoré. Il faut aussi que je vous en parle dans une présentation de série, parce que j'ai vraiment adoré. Donc deux séries regardées et deux bons moments passés, on va dire. On va continuer avec les séries du coup, c'est genre normal, c'est parce que j'ai mon petit cahier, que je souhaite terminer. Donc, comme vous le savez, peut-être pas, si vous intéressez sur cette chaîne avec cette vidéo, vous n'êtes pas au courant, mais je fais des vlogs rattrapage de la série Supernatural. Donc c'est la première série que j'ai envie de terminer forcément en 2020. Donc j'en suis actuellement à la saison 12, épisode 8, donc il me reste 71 épisodes à regarder. Donc ouais, ça fait pas mal. Pour le moment je passe un super moment, j'adore vous filmer cette catégorie de vidéos, les vlogs et tout, j'espère que vous aussi vous aimez bien ça. Donc voilà, donc forcément ça devait figurer dans cette liste. La deuxième série que je dois terminer, j'ai un peu honte de le dire, mais je vais le dire. Il s'agit de Twin Peaks. Donc Twin Peaks, c'est une série que j'adore. J'ai regardé les premières saisons, en fait je les ai regardées il y a un moment. Et quand la dernière saison, le retour de Twin Peaks retourne, qui n'est pas considéré comme une série, mais comme un film, pour moi c'est une série, clairement. Qui est sorti il y a quoi, il y a 2 ans maintenant. Je me suis dit, j'attends que l'intégrale en DVD sorte pour me refaire toute la série et du coup continuer directement avec le revival. Et ce coffret a mis Perpète à sortir, donc voilà pourquoi j'ai mis du temps à regarder la dernière saison. J'ai acheté, c'est petit fun fact, j'ai acheté ce coffret le samedi veille de confinement. Voilà, c'était un signe, je pense.
Donc j'en suis très contente. Je pense que je vais passer. Non, c'est sûr que je vais passer un super moment. Donc ouais, je vais enfin finir ce chef-d'œuvre et j'ai trop trop hâte. Troisième série que je dois rattraper, c'est une série dont la saison 1 j'ai adoré et je sais pas pourquoi je l'ai mis en pause et je l'ai jamais continué. C'est la série du coup Légion. Elle n'a pas fait énormément de bruit, je trouve. Pourtant, la saison 1 m'avait laissé sur le cul. Voilà, m'avait laissé sur le cul, j'ai pas d'autre mot. Super série et du coup comme je vous ai dit il me manque la saison 2 et la saison 3 donc elle s'arrête après la saison 3 donc voilà il me reste du coup ça fait 18 épisodes à regarder. J'ai aussi hâte sachant que j'avais vraiment adoré la saison 1. C'est pas une série facile, accessible on va dire, ça demande de l'investissement de la part du téléspectateur donc faut le savoir mais après c'est un bijou donc je vous la conseille si vous connaissez pas. Et enfin, la quatrième série que je veux vraiment terminer en 2020, ou voir commencer, c'est commencer, terminer, parce que voilà, c'est The Unmental. Donc The Unmental, c'est trop, c'est horrible à prononcer cette série. J'ai regardé du coup les 6 premiers épisodes et je me suis arrêtée. J'ai dû la mettre en pause, mais en même temps, vu toutes les nouveautés que je regardais et tout, je pouvais pas faire. Enfin, je vais pas me chercher d'excuses, mais forcément que je devais mettre des séries en pause. Enfin, je pouvais pas faire autrement, mon temps n'est pas extensible. Donc voilà, il me reste 30 épisodes à regarder pour être à jour. J'avais adoré. Là en plus, il y a les 2 premières saisons sur Prime Video, donc j'ai pas d'excuses. C'est facilement, on va dire, regardable. Enfin, facilement regardable. En 2 clics, voilà, c'est fait. Pour accéder à la série, après c'est long à regarder, on se comprend. Je m'embrouille, je m'embrouille. Donc voilà, j'ai vraiment envie d'être à jour sur cette série. Donc c'est tout pour les séries, c'est tout. C'est tout pour les séries que j'ai vraiment envie de terminer. Après, j'en ai plein à terminer, honnêtement, j'en ai vraiment plein. Je pense à Murder. Bonjour Alexis, tu regardes cette vidéo. J'ai vraiment du mal avec la dernière saison. J'ai regardé, au début j'étais à jour, puis après j'ai remis en pause. Enfin, il y a Scandale que je dois également terminer. Enfin, il y a pas mal de séries que je dois terminer. Mais elles, c'est vraiment mes priorités. Voilà. Et la troisième catégorie, du coup, c'est les séries à commencer. J'ai toujours dans mes résolutions, j'ai vraiment envie de cultiver ma culture. Ça se dit pas ça? Cultiver ma culture séricielle. C'est pas très beau, hein. Je suis sûre d'entendre pas. Il y a mon voisin qui fait du jardinage, forcément. Je l'envie un peu, parce que moi j'ai pas de jardin. J'ai envie de jardiner. Bref. Focus. Donc j'aimerais bien augmenter ma culture en termes de séries. Donc il y a pas mal, on va dire, de classiques dans les séries que j'ai envie de commencer. Et la première, c'est une série animée. Donc ça fait un moment que je vous dis que je regarde pas beaucoup de séries animées, tout simplement. Donc je vais commencer avec enfin, je vais commencer, non, parce que je regarde un petit peu maintenant. Si vous avez regardé ma vidéo bilan, j'adore, comment ça s'appelle? Harley Quinn et c'est pas Santa Clarita Diet. Bon, je sais plus, je vous mettrai une image aussi. Bref, du coup, je vais commencer avec un grand classique de la série animée. Je pense que vous devinez ce que c'est. Il s'agit bien sûr de la série Batman. Donc, c'est la série animée. Donc, je l'ai eue pour Noël. Donc, je suis super contente d'avoir l'intégrale. C'est une série qui était diffusée quand j'étais petite sur les Minicums, si je dis pas de conneries. Donc, le générique pour moi il est emblématique. Et pour moi, c'est vraiment la série, on va dire, cocooning du dimanche matin. Le brunch, pour prendre le petit déj, le chocolat sur le canapé en regardant cette série. C'est comme ça que je me vois la regarder. Donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà l'intégrale de la série Batman, le dessin animé. Donc j'ai trop trop hâte. La deuxième série que j'ai envie de commencer et elle est sortie cet été, si je dis pas de bêtises, donc toute récente, c'est Years and Years. Il me semble que c'est une mini-série. Il y a du coup une saison et 6 épisodes, donc c'est plutôt court. Donc ouais, elle a fait pas mal de bruit cet été. Et je pense que ouais, 6 épisodes, ça peut le faire là. Sur le confinement, j'ai envie de te dire. Ça peut bien le faire. Ça peut en une semaine, un par jour, tranquillement. Ça peut être sympathique. Donc voilà, Years and Years, ça me tente plutôt pas mal. Ensuite, la troisième série du coup que j'ai envie de commencer, c'est un grand classique, c'est genre un immense classique, tellement qu'elle ressort très souvent dans les top 3 des meilleures séries de tous les temps. Il s'agit de Six Feet Under, donc c'est l'intégrale du coup de la série que j'ai eu pas ce Noël là, mais et que j'ai toujours pas regardé. Donc je pense que 2020, c'est l'année Six Feet Under, il faut que je regarde cette série. Enfin, il paraît que c'est un chef-d'œuvre, donc il faut que je me fasse mon avis dessus.
Il y a combien? Il y a 5 saisons. J'ai noté les épisodes. Il y a combien d'épisodes? 65 épisodes. Je crois qu'une saison, c'est 13 épisodes. C'est encore du HBO, donc à mon avis, je ne vais pas être déçue. Est-ce que j'ai déjà été déçue de HBO? Il y a des séries qui me bottent plus ou moins, mais... Enfin, moins que d'autres, mais... Elle est tout le temps dans le top 3 des gens. Il doit y avoir une raison. Donc, voilà. Six Feet Under. Quatrième série que j'ai envie de commencer, encore un grand classique dont tout le monde parle, c'est The Leftover. Donc je suis le journaliste Pierre Langlais sur Twitter. Ce mec m'influence énormément dans, on va dire, le monde des séries et tout ça. Et il est de très bons conseils, il a de très bons avis sur les séries, il a une culture sur les séries qui est immense. Et c'est genre sa série préférée, il n'arrête pas de ravacher les oreilles de tout le monde avec cette série. Donc je me dis qu'il faut à tout prix que je la regarde. Donc c'est sur ma liste de séries à regarder pour 2020. Et la dernière série que j'ai envie de regarder en 2020, c'est une vieille série. Comme vous l'avez vu, la série c'est pas... Il n'y a pas de sitcom, il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de série on va dire un peu feel good. Donc j'aimerais bien commencer même si... Bon, je vais vous dire la série, c'est la série Ally McBeal. Donc la série Ally McBeal, c'est une série que j'ai plus ou moins regardée. C'est une série en fait qui était diffusée en fin d'après-midi quand je rentrais du collège et du coup je regardais des épisodes comme ça par-ci par-là. J'ai jamais vraiment suivi, chronologiquement les épisodes. Donc là j'ai envie de m'y mettre. Voilà, c'est une petite série feel good. C'est pas non plus une série hyper... je sais pas, je l'ai toujours trouvé un peu... pas triste cette série, mais il y a un petit côté mélancolique. Donc voilà, c'est mes envies pour 2020. Bien sûr, je vais quand même regarder des nouveautés. Hein. Je vais pas non plus passer à côté de grosses nouveautés, donc j'ai envie. S'il y a une nouveauté qui me fait vraiment envie, je vais la regarder. Mais j'aimerais quand même aussi me focaliser sur du coup les séries que je viens de vous présenter. Dites-moi en commentaire si du coup dans les séries que je vais commencer, que je dois rattraper, s'il y a quand même, si c'est des pipites, si vous avez déjà vu ce que vous en pensez, sans me spoiler bien sûr. Dites-moi aussi quelles sont vos envies pour 2020, s'il y a des séries que vous attendez, si vous avez envie de faire un rattrapage de séries, s'il y a une série culte que vous avez envie de commencer en 2020. Dites-moi ça aussi dans les commentaires. Et du coup, je vous laisse avec mon petit pitch de départ. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et là, je sais que vous avez le temps. Pas besoin de me mentir, je le sais. Donc, vous pouvez cliquer pour regarder une autre vidéo sur ma chaîne. Allez, je vous laisse. J'ai une série qui m'attend. Salut!